Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Libre des Colombes. Dans notre émission Liberté pour tous, chaque week-end, on reçoit un invité politique. Le samedi prochain, on va recevoir une personnalité politique. Il s'appelle Youssouf Bouana. Il est né à Kombani, dans la région de Ouachili, au Comores, dans l'archipel de l'océan Indien. Il a fait sa scolarité à Kombani, en Tsoudjini et à Ikoni. Il a fait le secondaire au lycée Saïdma Metchek de Moroni. Après le bac, il est parti en France, où il a poursuivi les études supérieures à l'université de Nanterre et Paris-Sorbonne. Il est diplômé en droit international économique et en sciences politiques. C'est un écrivain connu, auteur de plusieurs ouvrages, dont le premier, Gouverner, c'est un état vulnérable, le cas des Comores, aux éditions L'Armata 2018. Il était directeur général de la francophonie, il était aussi secrétaire général du ministère de l'équipement en 1997. Il était aussi au ministère des transports. Il était secrétaire général du ministère des transports entre 1998 et 1999. Il était aussi conseiller juridique à la présidence en 1995-96. Il était le secrétaire général du parti politique UPDC de l'ancien vice-président Mamadou. Comme vous le savez, le vice-président Mamadou, il est à résidence surveillée. Et les autres opposants aussi. Comment Youssouf Bouana va défendre son président d'honneur Mamadou? Youssouf Bouana est-il pour la tournante ou non? Comment Youssouf Bouana y voit la situation politique du pays? Est-il aussi pour le dialogue oui ou non? Comment il voit la situation des crises sanitaires dans notre pays? Pour avoir toutes ces réponses, on va recevoir Youssouf Bouana le samedi prochain dans le plateau de Chaîne Libre de Comores. À quelques semaines du 26 mai, qu'est-ce que Youssouf Bouana va nous dire par rapport à cette question? Nous allons décortiquer son discours, vous présenter l'opinion publique aussi, et vos commentaires sur YouTube et Facebook Live. Résidence surveillée, crise politique, 26 mai. Rendez-vous à samedi 3 avril à 18h, heure de Paris. Rendez-vous à samedi